On a adoré travailler sur cette BMW R80 monolever, car là on est parti sur un style bobber et on n'avait encore jamais fait de style bobber sur nos BMW. On est plus typé scrambler ou café racer. Et là pour le coup ce style lui va parfaitement car avec son monobras arrière on a vraiment cette impression de flottaison de la roue arrière qui est vraiment du meilleur effet. Au niveau transformation, sur cette base, on l'a reçue déjà en version quasiment épave. Elle roulait, mais elle était dans un état complètement dégueulasse, hein, pour parler clairement. Elle avait fait un grand séjour en Afrique, donc il y avait un petit peu de sable de partout, il y avait surtout beaucoup d'huile de partout, des fuites dans tous les sens au niveau du moteur. Donc on est parti déjà sur un gros nettoyage du moteur et quelques peintures de certains éléments. On est ensuite parti sur un échappement court de notre marque French Monkeys Exhaust avec un son qui lui donne vraiment toute son âme. Alors on est ensuite parti sur forcément la selle plus ou moins suspendue. On est sur une selle qui est posée sur un châssis, mais une selle monoplace avec un guidon un petit peu plus haut que l'origine, un petit peu plus large aussi pour une position de confort, enfin une position de conduite un petit peu plus confort. Au niveau moteur, on est passé sur une esthétique d'un moteur de série 7 à un moteur de série 6. On a changé les caches culbutes, on a changé la boîte à air, le cache démarreur. Ça lui donne un aspect beaucoup plus rond, beaucoup plus beau. Au niveau de la peinture aussi, on est parti sur un gris anthracite. Et la marque Guang nous a personnalisé entièrement un casque avec les couleurs de la bécane. On a vraiment adoré travailler sur cette bécane avec le client, on était en harmonie complète avec lui. On a pris vraiment vraiment beaucoup de plaisir, vraiment beaucoup de plaisir. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour travailler avec nous, partager cette expérience avec nous, n'hésitez pas à nous contacter sur frenchmonkeys.com et on parlera tout ça ensemble.